Bon, réunion ce samedi, ça devait être le 16 décembre, DM17, Sûreté éternelle, Conseil galactique temporel. Samedi c'était en fa, et on passe au dimanche, c'est en sol. Bon, la première loi galactique planétaire, c'était le salaire. Par l'argent, les connaissances, la bonté, l'âge, la pénibilité, enfin un truc juste. La deuxième loi maintenant, c'était ben, le wifi partout dans les églises, les mosquées, les synagogues, tout ce que tu veux. Comme ça. Sors, j'ai grave les boules. Putain. Je peux plus supporter de voir laisser pourrir la planète, quand même. C'est un paradis. J'ai vendu de l'argent, je m'en bats les couilles, moi. Macro Rothschild, en boîte, là. Boîte à Pandore. Là. Non. C'est quoi cette merde? Député, il faut des réputés. Comme ça. C'est quoi, boulot de merde? Pourquoi vous vendez tout aux machines? Les machines, ils ont déjà le contrôle de tout, même de vos âmes. Ça va pas? Ils m'ont bloqué le YouTube en plus. J'ai des boules. Eric, il a payé juste sa bière. Oh. Bon, c'est pas grave. Ça rentrera quand ça rentrera. Il me faut, je suis pas pressé dans l'espace-temps. Avant de partir, je sais que je vais bientôt crever. De nos jours, on ne cloue plus. Tu es obligé de te clouer tout seul. On ne brûle plus pour hérésie. Guillotin, il s'en bat les couilles. La chaise électrique, ça y est, c'est fini aussi. Maintenant, c'est la camisole chimique, les benzodiazépines. Tu vois? Tu chauffes? C'est comme si, c'est comme ça. Tu chauffes ou tu chauffes pas? Moi, j'étais pas méchant. Par contre, j'ai rien marre qu'on me prenne pour un con sur Terre. Je suis un esprit dans un bout de viande. Ok? Mais je suis pas une viande sans esprit. Hein. Ça, c'est hors de question. Mon âme n'est pas à vendre. Tu peux taper tout l'éternel que tu veux. Tu verras, normalement, il n'y a pas de pub. S'il y a une pub, c'est comment enculer quelque part. J'autorise tout le monde à prendre tout l'éternel pour faire partager au monde. Mais s'il y en a un qui fait du blé dessus, alors lui, il faut que je l'encule. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils m'ont encore tout bloqué. Donc tu veux que je te dise, ouais. Qui pourra leur dire? C'est comme les tourteaux qu'on respire. C'était dans le cuiseur. Si je crève le zodiaque, eh ben je vais couler. Il n'y a encore plus de tabac, il n'y a encore plus rien, c'est des mégots du parterre encore. Combien t'as tourné, hein? Combien t'as détourné, enculé, aujourd'hui? 300 000, pas plein de pastèques. Bon, c'est vrai, 400 000, pas. Bon, d'accord, 500 000. Bon. Combien t'as mis sous la table? C'est ça le pouvoir. Il est microlax. Il y en a même qui disent qu'il en veut chier. En plus, ils aiment bien se faire chier dans la gueule, la plupart des fils de pute. Bon, par contre, ils aiment bien enculer les gosses avant qu'ils aient 8 ans aussi. Tu sais, les francs-maçons du 33e étage, là. Tu vois, il y a des trucs comme ça, quoi. Ont vendu leurs âmes. On n'apprend pas ça à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale. Ok. Bon après, je m'en bats les couilles. Parce que... Tout seul, je peux rien faire. On est tous dépositaires d'une parcelle de
de l'âme du bon Dieu. Et vous comprenez pas. Pas de ma faute. Je sais même pas pourquoi votre cœur y bat. Dramatique. C'est un drame attique, il est le drame. Alors, que je te dis. Bon. Envoyé spatial pour l'éternel. On va appuyer vers là. Je ne sais pas trop.